La santé et la formation des jeunes sont les principales préoccupations des élus de Bassawa, dans le département du Dabakala, à 126 km de Boaké. La rencontre du jour avait pour objectif de promouvoir les actions de développement, dont plusieurs sont à l'actif du maire Ouattara Sanga. Il s'agit de la réhabilitation du foyer polyvalent et la construction d'une école maternelle. Le coût total est estimé à 106 millions de francs CFA. Pour le maire Ouattara Sanga, qui avait à ses côtés les élus et autorités administratives du département de Dabakala, ces réalisations traduisent bien, dans les faits, les engagements pris pendant la campagne électorale. L'année prochaine, nous prévoyons construire un pavillon d'hospitalisation de 6 lits au centre de santé. Nous avons encore 3 classes dans un village de la commune. Quelques bénéficiaires expriment leur satisfaction. Et bientôt, c'est la Coupe du Monde. Voilà, les jeunes peuvent venir se retrouver pour suivre les matchs de football ici dans ce foyer. On a besoin de produits quand même pour le centre de santé, pour savoir une nouvelle ambulance, pour faire notre transfert des malades. L'honorable Ouattara Nzoumana a saisi cette occasion pour exhorter les populations à se faire recenser, tout en leur expliquant le bien fondé de cette opération. Il a félicité le maire et son équipe pour le travail abattu. Quant au sous-préfet de Bassawa, Youlou Yougila Brice, il a encouragé les populations au travail dans l'union et la solidarité. Aussi a-t-il demandé aux jeunes d'entretenir les infrastructures mises à leur disposition. Une belle cérémonie qui a pris fin par des danses du terroir Djimini Djamala.